Hello everyone. Bonjour tout le monde. Habituellement, les étudiants attendent avec impatience l'arrivée du mois de mai. Les cours sont terminés, il vous reste qu'un ou deux examens. Vous avez hâte de commencer votre job d'été et de passer plus de temps avec vos amis. Mais cette année, c'est différent. La pandémie crée beaucoup d'incertitudes et d'instabilité pour tout le monde, y compris nos jeunes. Ceux qui sont sur le point d'obtenir leur diplôme n'ont pas pu profiter du dernier semestre comme ils avaient prévu. Et maintenant, ils ont du mal à entrer sur le marché du travail. Ceux qui sont encore aux études font face à des obstacles semblables. Les stages en milieu de travail ont été annulés et les emplois d'été se font de plus en plus rares. Vous êtes nombreux à vous demander non seulement ce que vous allez faire pendant les prochains mois, mais comment vous allez payer vos frais de scolarité pour l'année qui vient. Donc, la semaine dernière, on a dévoilé un plan de 9 milliards de dollars pour vous aider à traverser la crise. D'abord, on a annoncé la prestation d'urgence pour les étudiants, qui va donner aux jeunes 1 250 $ par mois pendant l'été. Et si vous avez un handicap ou si vous avez un dépendant, vous allez en recevoir plus. En même temps, on investit pour créer 76 000 emplois supplémentaires pour les étudiants dans les secteurs qui ont besoin d'un coup de main ou qui contribuent activement à la lutte contre la COVID-19. Ces emplois s'ajoutent à ceux offerts dans le cadre du programme Emploi Été Canada. If you can't find a job this summer but want to contribute in the fight against COVID-19, we're going to make sure you have support too. Students helping in the fight against COVID-19 this summer will soon be eligible for $1,000 to $5,000 through the new Canada Student Service Grant for volunteer hours. We're also going to be providing specific support for First Nations, Inuit, and Métis Nation students. For graduate students and those conducting research, we're going to extend scholarships, fellowships, and grants so your work can continue. And we are doubling student grants for low and middle income students for 2020-2021. Taken together, our government has a $9 billion plan to help students and recent grads get through the next few months. Since we introduced this plan, we've been working with the opposition parties on legislation that will get this help to young people as quickly as possible. I'll be heading to Parliament shortly, where we will introduce a bill to put the Canada Emergency Student Benefit in place. Les dernières semaines ont été difficiles pour tout le monde et notre gouvernement agit pour vous appuyer pendant la crise. Pour aider les parents, nous allons bonifier l'allocation canadienne pour enfants en mai. Après la fermeture des écoles, les parents se sont improvisés enseignants, restaurateurs, profs de musique et j'en passe. L'isolement pèse lourd sur les familles, donc on leur donne un coup de pouce avec l'allocation canadienne pour enfants. Et pour appuyer les gens dont le revenu est faible ou modeste, notre gouvernement a augmenté le crédit pour la TPS. Je veux aussi rappeler à tout le monde que cette année, si vous devez payer des impôts, vous avez jusqu'au mois d'août pour faire votre paiement. The pandemic has been hard on everyone, and that's why our government is stepping up to support you. To help parents who've got their hands full these days, our government will be boosting the CCB payment in May. And to help lower-income Canadians, we supplemented the GST credit. I also want to remind everyone that this year, if you owe income tax, you have until August to make your payment. Yesterday, Minister Haidu and Dr. Tam provided an update on our latest modelling. And the good news is that Canadians are stepping up to keep each other safe. In fact, in many parts of the country, the curve has flattened, so we have to keep it up. We're seeing some progress because people from coast to coast to coast are making sacrifices and following public health rules, so let's stick to it. Let's stay home, wash our hands, and when we go out, let's stay 2 meters away from others. Starting this weekend in Nova Scotia, the Canadian Forces Snowbirds will head across Canada to salute Canadians doing their part to stop the spread of COVID-19. As we watch the snowbirds fly over our homes, let's remember that we are all in this together.